Salut les chasseurs, c'est Chago, bienvenue dans ce live Viewer Hunt numéro 2. Et aujourd'hui pour ce live je suis en compagnie de Parker. Salut. Ah voilà. Voilà, on a préparé l'arrivée mystérieuse. Salut arrivée tout le monde. Arrivée rocambolesque. Voilà, c'est ça. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Salut Coco, salut Dalmari. Du coup, on a deux places de libre, si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est du Viewer Hunt. Par contre, on fera des quêtes que Parker est sur son deuxième perso. Donc, niveau conditions, bah, on reste sur du RM5. RM5 max. Bah, on va commencer, puis n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai mis plus d'Almari, je crois qu'il n'y a pas la baselle. Il me semble pas. Ouais, tu peux venir. Vraiment. Si on fait une baselle, ah, si, on... Il y a la baselle. Il y a la baselle. Ouais, c'est du RM5, je crois, la baselle. Ah non, c'est... Attends, je crois que j'ai pas... Je crois que j'ai enlevé tout mon HUD. Ah non, c'est bon. Du coup, je passe une quête. Ouais, vas-y, hein, tu peux y aller. Et on mettra pas de somnacante non plus si tu viens d'Almari. Attends. Moi, ce que je me disais, c'est que j'aimerais avoir le corps de chasse Magna Malo, parce que je pense que multi, il est pas mal. Il me semble qu'il était bien. En plus, il a une mélodie où il fait attaque plus défense. Exactement. Et en fait, là, cet après-midi, j'ai farmé tout, sauf ce qui me manque, la Lorbe Magna Malo. Par contre, je trouve pas. Bizarre. Ah bah... Ah ouais, c'est curieux. Attends, je crois que c'est du niveau 3, non? Ce serait pas du niveau 3? Ah, du niveau 3? Ah oui, parce qu'en 4, j'ai Variot et Magnum Malus. Ouais, ils l'ont... La vache! Ils l'ont sous-évalué sur en rang maître. C'est vrai qu'en expert et tout, il était en rang élevé. Et en rang maître, ils l'ont un peu sous-évalué. Bah c'est en novice, c'est du 3 étoiles. Bah en maître, pareil. Ah bah tu vois. Et expert, je crois, il était assez élevé. Hein, Bah ouais, il est dans les 7. Ouais, je crois. Un petit Magnum Malo. Ah, bah il est sur Fire Emblem d'Almari. Bah ouais. Coucou. J'ai commencé hier. Coucou. Tu l'as acheté aussi, du coup, par cœur? Ouais. Ah, c'est sympa. Je reste sur MH. Oui, toi on sait. Je vais me perdre. Mais j'aurais bien envie, mais c'est vrai qu'après je vais me perdre dessus, quoi. Je vais y passer beaucoup de temps. Bah après Fire Emblem, ouais effectivement, moi je suis d'accord, c'est des jeux où tu vas passer beaucoup de temps, mais tu vois, à un moment t'arrêtes en fait. Oui, c'est vrai. Ça, au c'est bout pas d'un quand moment... même H, oui, c'est vrai. Tu reviens. C'est vrai que t'as fait le tour, tu vas pas. Bah après. Dans les Three Houses, t'avais une rejouabilité quand tu finissais le jeu. Alors peut-être qu'il y avait dans les autres aussi, hein, je sais pas trop. Genre, tu gardais ton expérience de classe, de tes personnages, quand tu refaisais un nouveau jeu, ce qui faisait qu'en fait, en bouclant plusieurs parcours, tu pouvais débloquer toutes les classes de personnages avec tes personnages. Ah oui, c'est le new game. C'est plutôt sympa. Ouais, voilà, exactement. Et là, là, il y a un système un peu endgame, hein, disait Dalmari. Apparemment, tu peux. En fait, les gens peuvent créer des maps avec des combats, et toi, tu peux récupérer ces maps sur internet. D'accord. Ah, bah, je sais pas. J'ai pas du tout vu ça. Ah, j'ai commencé hier. Ah oui. J'ai vu qu'il y avait des tests qui sortaient dessus aussi. Ah, elle est sortie. Du coup, j'espère pouvoir. Effectivement. Ah, il y a de la coopération.
Freedom. Coco, si tu veux nous rejoindre, tu peux aussi. Hein. Pas de soucis. Oh, j'ai chaud. C'est assez perturbant du coup, vu que je suis sur Discord. Vu que je suis sur Discord, là j'ai pas le son du tout. Je suis pas habitué. Parce que le podcast. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je suis parce que moi j'entends quand même. D'ailleurs, t'es pas par ma guide ? Non, je l'entends pas, non. Ok, d'accord. Mais le son, vous devez l'avoir dans le stream. Normalement, il est dans le stream, mais il est pas sur. Ah oui, d'accord, ça peut pas le sortir deux fois en fait. Ah ouais. Ouais. Le son du jeu est fort par rapport à votre voix. Ah bah je vais baisser un peu. Ouais. Ok. Ah faut qu'on en profite pour dire du mal de vous avant que je baisse. Voilà, normalement là j'ai baissé un peu le son du jeu, ça devrait être. Salut Niarla Totec. Oh là là, ça c'est. C'est sacré pseudo. Bah, je te suis réveillé. Bah, j'ai rien. T'as peut-être un séisme. Moi, j'ai pas grand chose. Hein. Ouais, mais le premier coup il fait pas mal. Hein. C'est le deuxième qui fait mal. Ah bah oui. Du coup, c'est un peu mieux là, Delmarie, le son du jeu. Oh là. Ah oui, bah encore un poil fort, ouais. Mais je regarde pas ce que je fais, je l'ai vu dans mon champ de vision périphérique me sauter dessus. Voilà, tu sais quoi, il y a des solutions quand ils sont chiants. Ah. Ah. Tu cancel ta flash. Attends. J'ai pas le ramener contre le mur. Attends, je suis en train de m'envoyer dans les. Tu veux qu'il aille dans quel mur? Ouais, viens là où je suis. Ah, il y a pour le piège. Je vais cancel la chevauchée. Attends, regarde, je. Ah, si, il a été dedans. C'est un super combo là. Je joue au Katana en ce moment, c'est vraiment très sympa. J'avais pas encore beaucoup joué dans Sunbreak. C'est vraiment plaisant. Ah oui, dans Sunbreak, parce que j'ai pas trop réfléchi à ça. Ouais, non, dans Sunbreak, hein, sinon j'avais beaucoup joué dans Wraith. Ah merci, Niarla Totec. Un nouveau joueur de MH. J'espère que tu t'amuses bien. Ah bah c'est Dalmarie qui a joué, mon dieu, c'est normal, il passe devant le fond. Ah bah Dalmarie il arrive au moment où il y a le Somnacant Aurore qui arrive. Quelle coïncidence. Oh. Ah bah ouais Coco, c'est vrai que t'es parti sur Xbox maintenant. Oh c'est bien qu'il est sorti sur les nouvelles consoles. Ah ça y est, là, il est sorti. Vendredi il est sorti. Ah ok. Oui bah de toute façon pour la licence ça peut être pas dur. Ah ouais ok. C'est pas un nouveau alors. 4000 heures pour les faire.
Hop, bien joué. Bien joué. Bien joué Dalmari, hein, qui carry la game. Ah, il y a Utsushi le maître qui me dit qu'il devrait vous envoyer des gemmes. Bon, j'ai rebaissé encore un peu le son du jeu. Ouais, j'ai... Non, c'est pas ça qui... Ouais, là, je pense que c'est pas mal. Mais le... l'orbe G. T'as pas eu ton orbe, du coup? Non, bah si, j'ai une orbe, mais pas la bonne. Ah, pas la menthe. Ouais, ouais. Je vais redroguer un peu mes chats avant la fin de la quête. Pas mon chat. Il est où Dalmari? Je vois pas. Ah, il est peut-être pas... Il est peut-être pas encore vu. Mais si, tout à l'heure, il tirait. Ah voilà, je le voyais pas. Encore un peu fort, Dalmari, ils sont. Du jeu. Petit à petit. Encore une orbe en récompense, mais toujours pas bonne. Après, on peut en refaire un si tu veux, ça a été vite. Ceci dit, il me semble que l'orbe magna, elle est bien pour créer des joyaux, non? Je sais plus quel joyau. Artisanat, je crois. Si, je crois qu'il y en a une qui est super intéressante. Ce que je vais te dire, je suis passé tellement vite que bah, j'avais quasiment aucun joyau crafté. Ah bah oui. Parce que pas de compo. Donc là, cet après-midi, j'ai farmé pour avoir le corps magna et pour avoir des joyaux attaque. Parce que j'ai pas de joyaux attaque. Ouais, joyaux attaque... Ouais, je sais plus ce qui donnait le joyaux attaque. Et ben, il faut du Rajang, du Magna Bébis et du Gossarag Plus. Ah, la bile, non? C'est pas la bile ou... Non, des griffes. Y'a Coco, je crois, qui nous rejoint. Ah bah cool. Mais il passe de Xbox à Switch. Hein. Ça risque de piquer un peu. Mais du coup, la menthe, elle s'appelle bien Orb Magnamado. Ah ouais? Ah ok. Ouais. Il me semblait bien que c'était une orbe. Attends, on va en refaire un. Ah bah y'a peut-être un double monstre avec le magnum. Après, en le capturant, y'a peut-être plus de chances de... Oui, y'a moins. Quoique, je sais pas. Ah bah celle-là, elle... Ah par contre, ça peut-être couper la queue. Aussi. Bon, on peut essayer d'aller couper la queue. Alors, c'est le seul que j'ai pas eu. 14% capture. Ah bah tiens, on va faire ça. Ah oui, ça double les chances, la capture. Oh non. Ah, ouais. Ah non, c'est pas le bon. Non, pardon, c'est pas le bon. 3% capture. On va refaire un... Il y a deux compos que j'ai pas déverrouillé. Je sais pas. On va refaire un tout seul. Allez. Oh bah je vais rester sur ce style-là. C'est Gork. Tu veux venir jouer avec nous, il reste une place. Je sais pas si Coco rejoint ou pas. Ouais, bah pour l'instant, dans le mari, il y a de la place. Je sais pas si Coco reste sur Xbox ou s'il veut venir avec nous sur Switch. D'ailleurs, Dalmari, tu vas être content parce que ah mince, là, bon, avec ce corps de chasse, t'auras pas besoin de déguiser. J'ai pas vu, il jouait à quoi là? Il jouait sur quoi, Dalmari? Il est sur... à la Gunlance? Non, non, il est au Fusalou. Ah ok, bah, voilà. Tu vois, je suis en synergie avec Dalmari. Ouais, ça va bien, Gork. Et toi? C'est la petite chasse tranquille du dimanche.
Avec l'invité spécial Parker. Tout à fait. Au final, là, c'est vrai que la photo du barbecue pour la miniature était très bien. À regarder, j'ai trouvé qu'elle rendait bien. Puis même avec... il y avait la place de mettre les écritures et tout. Ah ouais, j'ai couvert du barbecue. Oula. T'as eu un gros week-end, le gars. T'as travaillé, tu sais. Oh. Bah, je vais essayer d'enlever dans le mur, mais pas trop vite. Ah bah, je l'ai complètement loupé, moi. Une araignée pente. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Bah moi j'allais dire que t'es encore de faire la petite bizarre, c'était déjà. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que t'es très... ancienne école. Après, Coco, c'est peut-être au niveau des touches que ça peut changer, non? Quoique non, ça doit rester... symétriquement, ça doit rester à peu près les mêmes, je pense. Pour la manette du box, ça va pas avoir la même peut-être des touches de droite inversées, la mode A, les D... Ah ouais, bah ça, par contre, c'est la galère. Après, ouais, tu peux peut-être le régler, ça, oui. Ah, je vous refilerai le lobby après parce qu'il faudrait que j'ai du hydrogène. Mais... Ah bah, le temps qu'il est montable, je vais le retaper dans le chat. Alors, c'est K. C'est 8. V. Au revoir, Tago. Ouais, salut. Oh. C'est dégueulasse. Bah, t'attendais vraiment que Danmaro au moins le chevauche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais espoir. Hein. Oh. Toi, Parker, t'as commencé avec quel opus? C'était avec Tri, hein, je crois. Ouais, avec Tri, c'est ça. Parce que j'avais vu une truc où il y avait un chasseur, il va chasser des monstres, d'où le nom Monster Hunter, et il se fait déglinguer. Comme dans toutes les tubes Monster Hunter, le chasseur se fait déglinguer. Et puis là, du coup, bah, il est parti miner pour améliorer son stuff. Et bah, c'est con, mais ça, je me suis dit, wow, c'est trop bien. C'est un mon marketing imparable. Ah merde, merde, fallait le capturer. Ah bravo. C'est vrai que la pub de Tri, j'avais bien aimé aussi. Parce que moi j'ai commencé avec Tri, après moi j'avais acheté le jeu avant de voir la pub. Mais moi j'ai pas acheté le jeu. À l'époque je piratais. Ah oui. Et puis du coup bah, j'avais pris une version US, mais j'avais pas trop fait gaffe. J'avais pris la première ROM qui traînait. Et puis, bah, du coup, j'ai fait tout le solo avant d'essayer du multi. Puis j'ai rejoint une communauté française à un moment. Et puis donc, on a voulu se retrouver. Mais moi, j'étais sur un serveur US, j'étais sur un serveur européen. Et puis, les noms des... Enfin, c'était les mêmes noms, quoi, en gros. Ah oui. Les salons. Du coup, j'ai dit, bah non, je te vois pas, machin et tout. Du coup, là, j'ai compris que j'avais pas la version européenne. Donc j'ai re-téléchargé une version illégalement mais européenne cette fois-ci. Et puis là, dès que je suis arrivé, tu sais, avant on avait des messages là, dans le lobby principal. Ouais, bah là, dès que je suis arrivé, j'ai vu un message de Simone. Donc là, j'ai dit, c'est bon, je suis en Europe.
Du coup, je ne sais pas qui était Simone, mais moi, ça m'a confirmé. Et du coup, après, j'ai réussi à l'Irlande. T'étais bien en Europe. Moi non plus, j'ai jamais craqué ma Wii, Danemark. Jamais bidouillé ces machins-là. Ah, mais la Wii, c'était génial. On pouvait faire plein de trucs avec. Hein. Et puis du coup, quand après je ne sais combien de temps, j'ai fini par acheter le jeu, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est vrai qu'il est bien, j'ai quelques centaines d'heures dessus. Ah, c'était un chouette jeu, moi j'avais bien aimé aussi. Lagiacrus, ça reste mon monstre de cœur. Première fois que tu l'affrontes. Salut Coco, Coco nous a rejoint. Vas-y, Parker, on te suit. On aide Parker à grimper. Bah attends. Ou alors tu peux faire les quêtes que t'as déjà t'as pas faites, ou comme tu veux. On va varier les plaisirs. Ah, tes parents, Coco, ils ont craqué ta Wii en secret, c'est ça? C'est original. Pour pas payer les jeux. Bah, pour une fois que c'est pas un cousin qui a hacké la Wii, ça va? Ouais. C'est les parents. C'était marrant, c'était sur JVC. T'avais je ne sais combien de messages. Ouais, mon cousin a hacké ma Wii. C'était que ça, quoi. C'était que mon cousin a hacké ma Wii. Ou le cousin d'un ami. Je sais pas pourquoi toujours, ouais, c'est mon cousin qui a hacké ma Wii. Une sorte d'épidémie des cousins. Vous avez peut-être tous le même cousin, remarque. Oui, oui, c'est peut-être ça. Salut Anaïs. J'espère que tu t'entraînes pour la revanche hein, sur Mario Kart. Bon là, cette fois-ci, on le capture. On fait pas les bourrins. Ouais, bah... c'est facile à dire qu'à faire. Ah, du coup... C'est qu'une des caps les plus compliquées sur MHGN, c'était la cap... Non. C'est sur quoi? Non, c'était pas sur MHGN. Bah, je sais plus, mais une des quêtes les plus compliquées, c'est la capture du Grand Jaggi. Ah, les captures... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que les captures... Capture du Grand Jaggi, c'était pas simple. Fesses, hein. Pour peu que tu discutais en même temps et tout... Ah ouais, combien de quêtes de Grand Jaggi et capteurs de Grand Jaggi ont été rappelés? Alors... Eh ben, il est dans la même zone que tout à l'heure. Et du coup, Coco, ton arme favorite, c'était la lance? Ou c'est la première fois que je te vois à la lance, je crois. D'ailleurs, c'est une arme que Parker aime bien aussi, je crois, la lance. Ah oui, la lance, bah... C'était le premier amour de Cola, la lance. C'est donc mon premier ami. Moi, je pense. En fait, à partir du moment où j'ai vu les contre-attaques, ça a tout changé. En plus, elle a été buff, je crois, dans la dernière mise à jour. Je crois que maintenant, la garde instantanée, là, le contre. L'attaque crucifie, là, après le contre instantané. Dernière mise à jour, je crois. Oui, t'as pas dû essayer, mais ouais, ça a été buff énormément. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont mis à jouer là-haut. Évidemment. Ah bah décidément, c'est l'arme favorite de plusieurs personnes ici. C'est l'arme favorite de Nerdatelé. En plus, vu que t'as beaucoup fait World et Iceborne, je crois que dans World et Iceborne, elle fait pas mal. En élémentaire et tout, il me semblait que... J'avais pas trop touché dans World Iceborne. Oh là, il est derrière moi. Pas trop ça. Oh là là. Attention, on fait attention à la petite icône bleue. Ça va, il est pas peut-être tout de suite. Ouais, mais bon. Ouais, ceci dit, il y a deux modes. Oui,
Ouais, c'est vrai. Ça peut vite faire aller. Hein. Oh là là là. Je suis pas très bon avec mon combo rangé chaque fois. Ça fait des choses bizarres. Allez, faut pareil, il faut pas finir d'abord. À mon avis, ça va poser un piège dans pas longtemps. Parce que... Il est en train de prendre cher. Oh là, j'ai loupé tout. Je suis trop gourmand. Non, il y a un nouveau Fire Emblem, Anaïs. Capturable. Hop. J'ai mis les 30. Bien joué. Ah bah c'était une requête. Ah bah attendez, je vais mettre un petit stickers. Je sais que Dalmarie, il adore mes stickers. T'avais pas déjà activé les stickers, Dalmarie? Il me semble. Ah bah peut-être. Ah non, c'est quand tu désactives le chat, juste. Si, le nouveau Fire Emblem, Anaïs, il est sorti vendredi. Ouais, il est bien sympa. Enfin, j'ai pas fait beaucoup pour le moment, mais... Si, Dalmarie. Fire Emblem. Dalmarie, il a toujours ses stickers, il vient de me répondre avec un sticker. C'est un sticker qui fait un fuck, c'est ça mais... Non. C'est OK chef. Spécial Dalmarie. C'est le counter sticker. C'est l'anti-sticker. D'ailleurs, Nirbatolek, pour ce que tu disais, bah moi c'est vrai que dans Iceborne, le grappin, j'avais pas été super fan. Ah, il paraît pas que tu pouvais faire le truc abusé avec, je sais pas quoi. Bah si, c'est ce qu'il dit à la lance, apparemment, c'était... Ouais. Bon, moi j'ai rien, de merde. Oh, moi je peux... Je peux tenter un truc, sinon. Bah, je sais pas si je vais... Pas que je loupe, hein, je connais pas trop la distance pour ce genre de truc. Oh, c'est pas grave, je vais le réveiller au premier coup. Moi, je serai sûr de toucher. Autant que Dalmarie pose ses mines. Toi qui mets tout son bordel. Ouais, ça va. Bah ouais, essaye peut-être la démo avant, Anaïs, pour être sûr. Mais... Ah bon, ouais. C'est une démo. Ouais. Bon, si t'as aimé les autres, je pense que t'as pas eu raison que tu sois très sport. Oh là là, ok. Oh oui, on attaque Sakura dans la tornade. T'as pas besoin de. Ça manque, Alice. Je sais même pas s'il est mort. Si, il est là, un peu. Ah non, oui, celui qui est là, il est dans le coin. Je me suis dit, ça serait plus sympa plutôt que de faire que du magnum à la chaîne. Non, mais. Bravo. Ok. D'ailleurs, il y a un truc sympa dans le Fire Emblem, il me semble pas qu'il le faisait dans les autres. En tout cas, pas dans le dernier que j'avais joué. C'est en fait, tu connais un peu Shadow. Ouais. Tu vois, t'as les combats un peu au-dessus, tu sais, t'as la map et puis t'as la vue un peu de dessus et tu déplaces tes unités. Et en fait, là, quand tu termines une bataille, t'es dans une espèce de hub en 3D où tu peux te déplacer. Et en fait, c'est la map sur laquelle t'as fait la bataille. Du coup, c'est assez marrant, enfin c'est con, mais
Juste le fait de te dire, tu vois, tu te déplaces, tu te dis, ah ouais, je me souviens, c'est là où j'ai failli crever, machin. Enfin, c'est, je sais pas, moi je trouve ça marrant. Ouais, c'est vrai. Tu vois un peu la bataille qui se déroule sous tes yeux, mais en étant dans la map, et puis en étant au-dessus de la map. Ouais, je me souviens plus trop. Après, c'est vrai que comme dit Anaïs, le dernier, bah, le Three House, là, l'histoire était... c'était trop long. Les trois housses de couette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, moi, le grappin, j'étais pas trop fan sur... Mais voilà, c'est un avis personnel. Après, y a des gens... chacun a le droit à son avis. Y a pas de souci. Salut, Last Est. Et ouais, moi aussi, la version Switch me va très bien, mais c'est vrai que je pense que les versions... Après, c'est les graphismes, hein, qui vont changer sur les versions. Ce sera plus joli, c'est sûr. Ça fera plus comme un World Iceborne, niveau graphisme. Après, niveau gameplay, je pense pas que ça changera grand-chose, effectivement. De quoi tu parles, le prochain MH, c'est ça? Bah, je pense qu'il parle de... Bah, des versions de... Bah là, de la sortie sur les nouvelles consoles de Ah, ah MH5. oui, bah oui, bah ça va faire comme PC, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une version PC, mais sur Xbox et PS ou 4. Je pense que c'est sur laquelle, les deux? Ouais, sur les deux. Xbox, PS5, PS4. Les deux Xbox. Game Pass aussi. Bon, alors attends, j'ai pas fait gaffe à ce que... Non, toujours pas. Bon, on fait une quête entr'acte. Allez! Allez. Fais un petit entr'acte alors. Ah, ben je sais ce qu'il nous faut. En hommage à Dalmarie, une petite bazette. Sachant que Dalmarie, ça va être la première base de mon personnage. Ouais, c'est vrai, Coco, que ça... Ouais, c'est du 60 FPS, c'est vrai que ça change quand même. C'est plus oui, fluide. Ouais, ça. Ouais, mais Dalmarie, il viendra en live un jour, Last Test. Y'a pas de soucis. Ah ouais, j'ai changé le bot aussi, t'as vu, il a l'air de bien fonctionner. Ah, on peut envoyer des émotes. Attends. Normalement, oui, tu peux. Attends, c'est les émotes, là, sur téléphone. Ceci dit, je pense pas que ça venait du bot, hein. C'était un paramètre que j'ai changé dans YouTube Studio, il y avait un truc qui voulait tout faire vérifier tous les messages, ou beaucoup de messages, et je pense que ça induisait le bot en erreur. Non. Boum. Ah bah tu vois, bah voilà. Ah mais il essaie pas de me tuer. Ça va, t'as un bot qui est un peu moins Terminator. La dernière fois. Non, il est plus cool. Regarde, même Dalmarie, il peut envoyer des cacas. Ah bah oui, il peut mettre des cacas roses, oh, bah c'est merveilleux. Ouais, mais c'est normal, c'est son deuxième perso là, ce test. Il a un autre perso par cœur où il est plus avancé que ça. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que j'ai la quête urgente du village, la toute première quête qui est pas faite. Là, j'ai la quête du Théostra en plus qui est pas faite. Donc, c'est pour ça que le RC est bloqué à 40. Et en parallèle, j'avance sur le rangé. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Tous les villages sont envahis par des monstres terrifiants. Bah ouais, c'est ça en fait, là, y a trois guerres en plus. Je crois que non, dans le grand camp, vu que j'ai vaincu... mince, l'handicapé moteur, là, comment elle s'appelle La... Narwa, voilà, la Narwa. Ah oui. Bah du coup, le grand camp, il se... Bah le village aussi, du coup, en théorie, mais... Mais non. J'ai pas fait quel village. Oh non, mais tu sais, c'est comment il s'appelle là, le vieux là, dans le village, Fugen. C'est Fugen qui te dit, ouais, va faire une quête, va cueillir des champignons. Là, j'ai pas fait. Là, tu es la Narwa, il te demande d'aller chercher des champignons. Du coup, il fait cueillir des morts.
le punching ball. La base. Ça prend presque plus de dégâts que le mannequin à l'air d'entraîner. Ah bah je vais la mettre dans les trucs. Ah, elle a essayé de s'envoler là, c'est ça. C'est ça. Après elle reste au sol quand même, c'est ça. Bah vaut mieux. Je vais recommencer. En plus ça va vers les trucs. Hop. Oh! Ah, j'aurais pu faire un super réveil, c'est le troisième coup. Hein. Le troisième coup, elle a touché un peu trop tôt. Mais... Ah, effectivement, le son est peut-être encore un peu fort. Ah, 1, 2, 3. Non, c'était 2 là. Alors, ah, non. Dalmarie vivant? Ouais, il a l'habitude maintenant. Il est vacciné. Est-ce qu'il l'appelle Sandrine Rousseau? Ah bah, j'ai pas la ref. Je vois qui c'est, mais je vois pas pourquoi. Rousseau, Roussi, quoi. Comme je vois pas qui c'est. C'est député, je crois, de la LFI. Ah, ok. Et Phonix, c'est sorti un peu bizarre. Non, c'est politique. Bon, ben. Ah, ça, c'est une personnalité politique. C'est vrai qu'il meurt vite, hein, les monstres, quand c'est pas des anomalies ou des investigations. Oh là! Ah non, c'est le chien qui l'a tiré, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien joué. Bravo. GG! Salut Mig. On a une star. Ça va et toi? On a une star sur cette viewer hunt. Star et le Ultimate, c'est un cocktail explosif. Bah, Mig, il est plus Ultimate que moi. Il est plus Ultimate que moi. Non. Et il y a Dalmari qui laisse sa place si quelqu'un veut jouer. Du coup, Mig, toi, t'es sur PS5 là, c'est ça? T'as refait le jeu sur PS5, il me semble. T'es partout. Là, on est sur Switch, là. Tu peux rejoindre, hein, si tu veux. En plus, je crois qu'en RM, t'es... Je vais relancer... Là, nous, on est sur Switch, hein, on n'est pas sur PS5. Bon. Tu vas nous proposer de beau par cœur.
moi j'entends très bien Magna Malo, c'est ça. J'ai une 4 urgente, au pire, pour entrape. Comme tu veux. On te suit. Ah merde, c'est joli. Pas ça. C'est vrai que les gens comme Ming, mine de rien, ils auront fait le jeu. Si on cumule les heures sur Switch, je sais pas si tu as déjà fait Ming, cumuler tes heures sur Switch, PC et la PS5, je pense que t'as moyen d'avoir un paquet d'heures quand même. Après, c'est comme les gens qui ont fait plusieurs persos au final. Je sais qu'il y a Terreur sur le Discord aussi qui a fait deux persos et les deux sont 999 en RM et du coup. Ah oui. Ah bah oui, je pense qu'il est bien à pas loin de 3000 heures de jeu, hein, je crois. Au moins 2500, 3000. Ouais, bah tu vois, c'est ça. 2500, 3000 aussi. Moi, je suis pas encore à 2300, je vais être à 2000... Ouais, je suis pas loin de 2300 plutôt, ouais. 2250, 2300. Mais après, tu regardes, toi... T'as accumulé beaucoup sur le même personnage, même une fois RC 999, RM 999. Oui. Donc c'est vrai qu'au final, si t'avais fait un autre perso, ouais, effectivement, tout le temps cumulé, là, il serait bien avancé. Ouais, c'est vrai. Ça permet de continuer à avancer, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'XP que tu cumules qui ne servent à rien, quoi, finalement. Ouais, bah oui. Ça monte plus, là, au bout d'un moment. Mais bon, de changer d'arme, ça permet d'éviter de s'ennuyer. Toujours à faire. Ah, toi, la S, tu joues depuis PS2. Du coup, depuis le premier match. C'est le premier match, je crois, qui était sur PS2. Il me semble. C'est qui déjà avec Magna Malo? Bon, l'objectif de la soirée, c'est d'avoir Lord Magna Malo pour Parker. Qui est en réalité la menthe. Oui, ça menthe. Pour qu'il ait sa jolie corne de chasse. Donc on le capture. Ah oui, c'est vrai, capture. Ah ouais, moi je pensais que là-bas c'était l'une des personnes de la commu qui avait le plus d'heures. Et Gore qui a fait une quête avec un gars qui avait 7174 heures. Ah oui. Là, 7174 heures, t'as plus de vie quand même. Déjà, je trouve que je passe beaucoup de temps sur le jeu. Avec 2000 heures, alors... Donc même Shago a ses limites. Ouais. Après, je joue qu'à ça, mais... Donc ça va. Mais... Là, c'est allé sur 2 ans. Hein. Les 2000 heures. Ah bah, le gars des 7000 heures, c'est sans doute aussi qu'il fallait faire 2 ans. Oui, oui, oui. Il a un peu plus étalé que toi. Oui. Pas quand tu passes dans mon jeu. Là, l'ambiance de la vie. C'est parti. Oh non, la bordure, c'est pas vrai. C'est vraiment un calvaire. Hein. Moi, j'ai toujours dit dans les matchs, le problème, c'est les matchs. Ouais, c'est vrai que la bordure, elle vient de me casser. Mais... Mon combo. La casse ton groupe. Ouais, carrément. Bah, un mois et demi sur le jeu et 450 heures déjà, c'est pas mal. Moi, en général, je fais ouais, 100 heures, je crois. J'ai à peu près 100 heures en moyenne par mois. C'est presque autant que le bout. N'hésitez pas à essayer de péter la queue, hein. Ah oui, oui, ça te... oui, effectivement. Ça te fait je vais mettre un piège électrochoc. Donc j'aille sur la queue. Ouais, bah il y a encore la foutue bordure. Hein. Là, je le sens pas. Retrait. Oh, c'est passé. Voilà, alors la bordure, hein. On m'a fait chier jusqu'au bout. Ah bah tu peux le chevaucher et le dégager de la borne. Ah bon. Ah vous faites trop mal.
j'ai touché la queue. Ah, pas touché. Non, j'ai pas pu aller voir un petit enfin, bah si. Mais loin de moi. Ah mais si c'était un asiatique, ça m'étonne pas. À ce moment-là, j'avais vu une carte de guide sur GU, c'est un peu avant la sortie Drive. Le gars, il avait plus de... par arme, je sais plus combien il avait de... Je me demande s'il avait pas joué... Il avait des milliers d'utilisations sur chaque arme, ah, les monstres, capture, il avait fait... Ah, ah oui, oui. Ah, ça tombe bien. Ah bah là, je crois que tout le monde a mis un piège. Ok, comme ça, on est sûr de pas le louper. Bien joué, les gars. Double piège. Bien joué. Merde, si il est mort. Non, si jamais il se réveille, c'est bon. Le terrain est miné. Ah bah, il y a la queue. Hop, bah, queue. Ouais, dépasse. Bon, ok, Last Est va nous rejoindre, du coup. Ok. Dalmarie, si ta proposition tient toujours de laisser ta place. Eh bien non, c'était une offre limitée. Trop tard. Eh ben toujours rien. Merci Dalmarie. Incroyable Radon. Ouais, c'est vrai que les Asiatiques en général, c'est des gros fans quand même. Ah bah ça, Monster Hunter au Japon, il paraît que c'est quelque chose. Hein. Bah, je crois qu'il y avait une histoire, alors je sais pas si c'est rumeur ou si c'est vrai, genre, quand il y a un MH qui sort, les mecs des entreprises ils sont en mode, c'est bon, prenez votre journée, c'est bon, cassez-vous. C'est genre en mode, on sait que de toute façon, il y aura de l'absentéisme. J'avais entendu parler de ça aussi, j'avais déjà... Mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas. On si avait entendu parler de cette rumeur aussi. Salut Dalmarie, merci pour les chasses. Ouais, ah bah... Merci. Il recharge. Bah tu nous rejoindras en quête, Last Test. On va relancer une et tu nous rejoins en cours. Je vais remettre l'idée dans le... Salut Pharaon. Bienvenue. Bon allez, pour changer un peu de registre. Un chagalou. Ah, ça c'est une bonne quête. Bah Dragon Quest aussi, c'est vrai que les japonais ils ont plusieurs institutions, je pense. MH Dragon en fait partie. J'ai jamais joué. Moi j'en avais essayé quelques-uns. Je sais pas, ça m'attire pas. Après je suis pas très JRPG non plus. Mais... C'est sympa, après ça fait très japonais. Hein. C'est vrai que les monstres ils font très japonais. Les petites boules de glu là et tout. Et le code 7890. Hop. J'ai remis l'idée dans le chat, hein, si vous voulez. Ah bah, je vais prendre la quête aussi. Et on passe. Tu peux prendre la quête sur le tableau aussi. Chagalou. Bah, je prends... À chaque fois, je prends sur le tableau. J'ai pas l'habitude de prendre... d'utiliser le raccourci. Ouais, c'est vrai que tu peux les faire. C'est vrai que j'y pense jamais. Bah, sur cette map... Non, ce qu'on s'appelle... Elgado, c'est ça? Ouais, c'est sur Elgato, je trouve que ça va en fait. Ouais, t'as mangé, c'est à côté quoi. Parce que t'as le forgeron qui est là, t'as tout qui est à portée de main. Donc... Alors bah. Que c'est vrai que sur le grand camp, souvent je traînais du côté du forgeron, du coup j'utilisais l'impossible. Ah ouais. Ça dépend des mains. Sur World c'était chiant, et après sur Iceborne il était mieux foutu le hub, je crois. Bah là c'est un peu pareil. Tout était au même endroit. Ouais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Kamura c'était... Après t'avais le grand camp, ils avaient tout rassemblé quand même au grand camp. Ouais, même sur World je crois, alors moi j'ai pas connu les mods, mais il me semblait qu'il y avait un mod. Du coup avant la sortie de Iceborne. Où le gate mettait le forgeron directement sur le bateau. Ah oui! J'évitais d'aller le retourner au village. Ah oui, il va se prendre un mur direct.
Ah, mais c'est pas très bien. Je vais défoncer là-dessus. Oh, j'ai été beaucoup. Après le jeu, Last Test, il est... Moi, Rise et Iceborne, je les ai trouvés très beaux sur Switch. Mine de rien, ils ont fait du beau boulot parce que ça tourne quand même bien dessus. Ouais, c'est sûr que t'as pas les graphismes de World et Iceborne. Après, World et Iceborne, c'est vrai que ça reste un poids lourd hein, sur la licence. Hein. C'est ce qui a permis de démocratiser quand même encore davantage la licence. La DA est différente, quoi, mais... Ouais, c'est ça. C'est une DA, ouais, t'as raison. Mais le jeu, ouais, au final, je préfère le gameplay de Rise and Break que de World Ice. Ouais, bah, le gameplay est vachement plus arcade. Ah, puis c'est vrai que la verticalité, c'était très sympa, le fait que tu puisses monter un peu partout. Moi, je me souviens au début, dans la démo de Rise, c'était vachement plaisant. On a tous essayé de monter tout en haut de la map. Peut-être lié à ta co aussi, la stress. Moi, j'ai pas trop de problèmes de co. Sur Rise and Break, j'ai pas eu tant de problèmes de co que ça. Ah oui, je suis d'accord avec ça là-dessus. Ça a été très rare, problème. Genre des déconnexions, des machins. Des... Ouais, je. Ouais, j'en ai pas eu tant que ça. Après, j'ai changé de box entre temps, et c'est vrai qu'avec l'ancienne box, j'avais un peu plus de problèmes. Alors, c'est peut-être lié aussi. Hein. Bah, Après, ça peut dépendre aussi si t'es en wifi, que les murs sont en côté. Il y a ça aussi qui peut jouer. Les problèmes classiques. Du coup. Sachant que le. Avec les jeux Nintendo, alors, je sais pas comment ils démerdent, mais. C'est jamais tip top les connexions. Donc, que ce soit un peu la merde chez toi, et alors ça te fait une bonne. J'ai quoi, le pas? On se fait des conneries, on sait. Ouais, ouais, il y a du bordel là, par contre. Ouais, mais c'est des faux shiny, ça, c'est de la connerie. Ah bah, il s'est envolé. On était bah, plus vite bah, que lui. Il nous rejoint. Bah oui, il revient là où il était. C'est énorme. Ça a pas... Ouais. Ça a... Oh là là là, bah, tiens, le karma vient de se venger. Yeah. Oh là là. Par contre, c'est vrai que ce côté très scénarisé dans Rise and Break, des fois il est un peu chiant. Tu vois, le monstre, tu vois, quand il y a un autre monstre qui arrive, il s'attaque forcément. Ça, c'est ouais, ouais. Tu vois, là, c'est il a changé de zone pour revenir. Oui, c'est une grosse ficelle. Pareil, quand il y a un monstre qui t'attaque, bah, à partir du moment où il n'y a pas de. Genre par exemple, mettons, on stun le Shagaru et t'as, je sais pas, une Bazelle qui se ramène. La Bazelle, elle va être poussée pour toi, c'est urbaine. Mais il est stun. Ah, pardon. Je vous embête pas. Excusez pour le dérangement. Je reviendrai plus tard. Et c'est très urbain après, mais c'est un peu étrange.
Alors que des fois, bah moi j'aimerais bien que ce bordel. Ouais, ouais, ça. Tu vois, tu te dis au début, pourquoi pas pour le mode noble, tu vois, effectivement. Oui, oui, au village ou pour le baron. Ouais, voilà, okay. Pour. Parce que oui, effectivement, le village c'est complètement la zone plutôt. Donc, tu vois, pourquoi pas pour pas perturber les nouveaux joueurs. Mais à partir d'un moment, on devient des vrais chasseurs, quoi. Salut Anaïs, bonne soirée. Merci d'être passé et puis bah bon fin de dimanche à toi. Et bon courage pour le boulot. Voilà. Ah, bonne vacances alors. Bonne nuit. Des vacances, quelle bonne idée. Ouais, elles sont pas tout de suite, hein, les prochaines vacances. Ah, voilà. On peut le capturer. Putain, il a spam avec cette attaque. Hein. Bien joué. Concentration. GG. Bravo. Voilà, j'ai pas suivi le chat, j'étais trop concentré. Après, Pharaon en multi, je sais pas s'il y a beaucoup de gens sur Xbox. Je pense que ça va être la plateforme un peu la moins populaire. Hein. Ouais, c'est celle qui a le moins de. La moins grosse base de joueurs. Parce... Ouais, bah last test, après, c'est vrai que sur Switch, t'as pas de VOC sur le online, et après, faut un Discord, quoi. Si t'arrives à avoir Discord à côté, t'as moyen de discuter avec les copains. Mais qu'est-ce qu'elle vient, l'application Nintendo un peu pourrie, là? Bah, je crois que t'as du online dessus, t'as du chat dessus, tu peux chatter en VOC, mais que pour certains jeux. Pour du Mario Kart, par exemple, mais sur Rise, j'avais regardé, tu peux pas. C'est que pour les jeux Nintendo, je pense. On joue jusqu'à quelle heure? Bah moi, je pense que je vais m'arrêter vers 22h20-30 grand max. Les gars, ils pourraient faire simple. Ils pourraient faire... ouais, on a une application pour parler. Mais non, il faut restreindre à certains jeux. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, hein? Après, il va avoir un but en tête. Hein. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Enfin, que sur Xbox, t'as le cross-platform avec le Game Pass PC, effectivement. Donc, ça fait du monde en plus. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as. Ah, c'est intéressant ça. Mais tu peux pas. Par contre, t'as pas le cross-play avec. PlayStation et tout, quoi. C'est que PC et Xbox. De toute façon, PlayStation et cross-play, hein, c'est. Ça leur fait grincer les dents, ça fait quoi. Bah ouais. T'es trop vieux, Last Test, t'as quel âge? Ouais, c'est Game Pass... Oui, c'est pas PC, comme dit Dalmarie, ça... c'est Xbox et Game Pass PC, mais pas Steam. Ah oui, ok.
C'est un peu bizarre. Enfin... Ouais, genre, il y a un petit pas à franchir. Mmh. On va voir ce qu'ils feront pour le prochain MH. Ah, remarque, c'est peut-être sur le même serveur, en fait, Xbox. Et... Enfin, tout le Game Pass est sur le même serveur, peut-être. Ouais. Et au final, avoir le PC, c'est comme si t'étais Xbox. C'est peut-être ça. Y a bon, plus encore vieux... moi, c'est ça. Il y a plus vieux... Ouais, vas-y, vas-y, par contre. Il y a plus vieux que toi, du coup, Last Est. Il y a même plusieurs personnes plus vieilles que toi dans le chat. Bon, pas moi, hein. Moi je suis pas. Mmh. Je suis encore un petit jeune. Il y a Gork et Dalmarie, je pense. Bah, Dalmarie, c'était pas 40. Marc, c'était peut-être il y a un an. Ouais, ouais, c'est ça. c'était bien 40, effectivement. Mais il y a... Même, c'était 35, mais c'était il y a 6 ans. Ah bah oui, ça va, tu vois, Dalmarie, moi, j'étais bloqué à 40. T'as pas pris une ride depuis un an. Bah, depuis que Parker a disparu dans sa grotte. Ouais, c'est ça. Oh non, hein, ça fait à peine 8 mois, je crois. 6 mois, je sais plus. Non, même pas. Ouais, après, c'est le bel âge, 40 ans. T'es plus tout à fait jeune, mais t'es pas vieux non plus. Du moins, je pense. Moi, oh, ça m'inquiète pas de vieillir. Ouais. Après, ça dépend comment tu vieillis, quoi. Sur si t'as des problèmes de santé et tout, ouais, là, c'est plus chiant. Et moi, je me demandais, justement, à partir de quand tu commences à avoir une voix de vieux. Ah, bah, je sais pas. Est-ce que tu te rends compte que ta voix devient une voix de vieux? Ouais, c'est effrayant, ça. Parce que, tu sais, les vieux, ils ont toujours une voix un peu, bah, une voix de vieux. Ouais, chevrotante, un peu. Ouais, je vois. Bah, je vois, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Il était bien pourri, quand même. Mais j'ai pas compris. Je vois. Ah, parce qu'on parle de vie. Mais il était naze. Bon. On va être 4 sur 10. Bon, il est la bonne. Ah, bah, je vais ramener un copain. Je sais que Parker aime bien quand je ramène des copains. Oh mince. Je suis un peu trop tapé là. Ah non, c'est bon. Tu pensais la barre de la pied? Bah je pensais en fait j'ai relancé une attaque Sakura juste après. Ah, et... sera annulé, Bah ouais, je pensais avoir fait trop de dégâts mais... Je me surestime. Oh, la queue, la bienvenue. Ok, bon, il faut que queue. Peut-être essayer de péter toutes ces parties pour essayer d'avoir... Ouais, là, j'ai été sur le dos. Mais... Oh, bah bien, ça commence bien. La petite mante poudre sur la queue. Oh, bien joué. Au stun. Bon, la queue, à mon avis, elle a vite tombé. On est tous dessus. Ah bah voilà. Alors, il est une stun. Para. Que coupé. Et là, il est chaud de chat. Un petit coup. Bon, on commence à avoir l'habitude, là, ce soir de... Ouais, là, de... Ah, bien de... L'appréhender. Oh là, je suis contenu. Ça, c'était pas pour moi.
Je vais te casser ça, sa lame de pâte. Oh, je sais. Oh. Ah, voilà. Il reste peut-être sa deuxième lame de pâte à droite. Son dos. Ah, son dos, notre petit. Le dos, j'ai commencé à taper. Mais... Ah, bah attends, je vais le mettre au sol. Je vais envoyer l'araignée comme ça. Ah bah attends, je vais Non mais c'est pour pas qu'il se fasse. Attends, je... Ah j'étais pas sur mes trancs en fait. Bien joué. Bien joué. Donc là s'il se réveille, pas de soucis, il est piégé. Merci Almarie. D'ailleurs, il a pas bougé. Comme moins que d'habitude. Non, ouais, c'est vrai que celui-là, il n'a pas été trop embêtant. Ah bah moi, j'ai eu ce que tu recherchais. Ah, j'ai une orbe, mais pas la bonne. Ah. Bah moi, j'ai eu l'orbe... Ah non, d'accord. L'orbe plus, ça s'appelle Orbe Mag Violet. Ah oui, bah... Ah oui, c'est... Ah, et ce que j'ai besoin, c'est l'orbe Magnaman. Celle que t'as besoin, c'est Orbe Magnamalo. Ouais, donc la menthe. Ouais, bah je l'ai eu. Oui, bah pas moi. Tiens, j'ai même pas regardé le corps Basel, qu'est-ce qu'il donne. C'est le corps Chagallou. L'attaque qui flinche, Coco, c'est quand tu charges avec le bouclier à la lance, c'est ça? C'est ça que t'appelles là. Bien joué, Coco. Ouais, il sent pas le Basel. Ouais, il me semblait. Et protection WIP, bon, peu dommage. Attaque plus et récupération vigile. Ouais, j'avais déjà regardé, effectivement. Il est sympa. Et après, tu pourras avoir la Vulcan. Bon, la Vulcan, elle a les mêmes trucs. C'est juste les stats qui sont. Les stats qui sont un peu augmentés. Mais t'as les mêmes mélodies. Mais là, c'est vrai que la corne de chasse Magnamalo est vraiment bien. Bah, j'ai débloqué les... Non, je sais jamais c'est quoi leur nom, là, les Pokémon légendaires. Les dragons anciens, voilà. Bah tiens, peut-être unité marrante. Là, pour mon urgente du grand camp, il faut que je fasse le Teostra. Et bon, on va faire le Teostra G avant. Ok. Même ça fera le premier Teostra. Je vous ai remis l'idée avec le mot de passe. Pour ceux qui veulent. Il reste une place. Je fais quoi? Regardez ce que je fais. Donc on part sur... Mais tu peux faire le Teostra... Bah oui, j'ai débloqué la quête. Ah oui, pardon. Oui, Ah d'accord, moi j'étais sur le Ryzen. Mais non, l'éveillé, tu... Non, c'est bon. C'est... Calme tes bêtes là, Jackie. Hein. C'est RM100. Hein. Ouais, ça. Je me suis emballé. Non, je peux pas prendre de pièges, ça c'est rare. Ah bah tu peux les prendre les pièges. Effectivement, ça sert à rien. Ouais, la test, il n'y a pas de minimum. Hein. D'accord, pas... j'ai cru qu'il demandait combien d'Almarif c'est pris. Enfin, non, tu peux venir comme tu... Viens comme tu es.
En plus, je crois que t'es dans les mêmes... t'as le même RM à peu près que Parker, il me semble. Ou dans ses alentours, là. Pourquoi il veut pas que tu... Ah oui, ok. J'étais pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut crier, très bien. Oh là là, il y a eu un compagnon dans le combat. C'est le premier de la soirée. Ouais, pour lui rendre hommage. Oh, c'est bon. Ah oui, ça a lancé le contre-coup. Vous avez pas vu. Oh là, musique de ce que j'ai fait. Faut que je me fasse un joyau nerf d'acier. Et je crois qu'il paye de l'almudron pour nerf d'acier, du coup, de tout comme ça. Ah, ah ouais, je sais bien ce que je crois. Ça fait longtemps que je les ai pas fait. Déjà un monstre chiant, je me suis dit, oh, de toute façon, je fais pas de l'almudron. Il faut la orbe almudron, je crois aussi, pour avoir. C'était pour les joyaux. Chance. Fortune, ouais, voilà. Chance. C'est vrai qu'à ce temps-là, sur Rise, quand j'avais plus grand-chose à faire, je m'étonnais à faire tous les joyaux pour chaque. Je peux dire que j'ai farmé des almudrons avec des randoms pour essayer d'avoir. Allez, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Et attends, très. Ah bah y'a l'as qui nous a rejoint. On va aussi la recharger sa console. C'est juste qui se gros Akuma là en fait. C'est là. Connu sous le nom de Akuma le jeu. Oh là, il part avec, il part avec la bête. Ah oui, hey. Il part. Non, mais je rigolais quand je disais... Je sais que c'est l'histoire encore. Je rigolais quand je disais qu'Akuma était gros, reviens. Et là, t'as un message de propagande. Oui, il faut arrêter de chasser des monstres. Je vais sauver Totem. Ah bah il sauve. Ah merde. Il se perd en haut. Il est parti dans la... Dans les...
Moi, je crois qu'il y a Diablos qui s'excite juste en dessous, je vais dérocher, vous voulez. Ouais, je confirme, il est en train de taper contre le mur avec des rochers. Ça va pas envoyer voler déjà, c'est une bonne chose. Oh. Bien joué, apparemment. Mal barré. Il allait faire quoi? Il allait faire sa nova? Ah non, t'en... Je ne sais pas. Non, je pense pas, mais il est faire le son. Beaucoup. On va bientôt mourir là. Capturable. Ouais. Tu vois, allez. Bien joué. Bien joué. Bah, c'était sympa pour un premier Théostra. Ouais, non. Je pourrais aller faire le bébé Théostra. Ce Silus, il veut son corps de chasse. Ouais, c'est vrai. Bah, il est sympa en plus, son corps de chasse. Moi, j'ai beaucoup joué au début. Là, je me souviens à quoi il ressemble, mais je sais plus. C'est un genre de harpe. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus les mélodies. Ah tiens, Dalmarie, tout à l'heure, pour le son, c'était la musique du jeu qui était trop forte, ou sinon, faut peut-être que je gère aussi là-dedans. Ou c'est les bruitages. C'est peut-être la musique qui est un peu forte. Ah, et puis là, je vais remonter un peu. Les bruitages aussi. Bon, bah non, bah je laisse comme ça. Je vais augmenter la musique du coup. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le Théostra, Coco? Ah bah tiens, j'ai un joyeux dragon aussi. Parfait. Ouais, ce sera ma dernière, moi. Ouais, bah pareil, de toute façon, il commence à se faire tard. Ouais, bah j'ai rebaissé à moins 8 décibels normalement là. Ça... Ah non, ça je vais pas y toucher. Là c'est mieux le son, les gars. Comme ça je saurai pour la prochaine fois.
que je me rends pas trop compte. Plus ça, j'ai aucun retour. Bon bah, si on nous entend, c'est déjà ça. Bon allez, fais-nous rêver par cœur. Ah oui, bah là tu vas rêver. Volvidon. Tu vas rêver violet là. Ah oui. Oh, Volvidon, ouais. Ouais. C'est un complot. Jamais chassé de Volvidon. C'est un complot avec Dalmaris, ça. Un complot avec Dalmaris, pourquoi? Ah ouais, parce que la dernière fois je suis mort sur un Caméléos. Ah, mais si on devait retirer tous les monstres où t'es mort. Ouais, c'est vrai. Je chasserais plus rien. J'en ferais plus beaucoup. En plus, je suis sûr, la Dalmarie jubile. Ouais, mais c'était le... C'était le Cabello s'éveillé, là. Non, ouais, parce qu'en live, je me la suis un peu pété la dernière fois. J'ai dit que j'avais pas besoin de remettre d'herbe sur ce monstre et que j'allais pas mourir. Et du coup, bah, je suis mort. Mais... Voilà, ça m'apprendra. Bah, regardez, je vais prendre des remèdes d'herbe au cas où. Et je ne dirai rien cette fois-ci. Mais bon, si un jour Dalmarie vient sur le live, on fera une soirée somnacante. Bah, tu sais, Dalmarie, en solidarité avec ton combat que tu as mené par le passé, sur ce personnage-là, zéro somnacante ont été chassés ou capturés. Ah oui, il faudra que tu... Ah bah attends, je vais lui montrer sur la carte de guide. Ouais, t'inquiète, il montre. Je vais vous montrer la carte de guide de Parker, l'invité de la soirée. Il y a la grève du somnacante. Alors... Ça a été une saleté pas possible, du coup, on l'ignore, voilà. Voilà, ça c'est la carte de guide de Parker qui a été très bien peaufinée. On voit qu'il a mis une très belle photo. Et customisée. Voilà, et la partie qui nous intéresse, les monstres chassés. Parker a réussi à faire 0 somnacante. Et un somnacante aurore, hein, on est obligé d'en faire un pour avancer en rang. Ah oui, quand même. D'accord. Bah ouais, on est obligé, t'es obligé d'en faire un si tu vas... Sinon tu seras encore RM3, je crois. Ah, encore un complot. T'en as pour longtemps, Last, ou... Bon, sinon, on lance la quête, tu nous rejoindras. Ok. Ouais, il nous rejoindra. Parce que s'il est parti faire la... Je sais pas, il est parti en... Avec les cordelettes. Ah bah attends, je t'envoie la carte, si tu veux. Bah... Coco, je crois que tu l'as déjà, puis Parker. Ah non, Parker. Ah si, Parker, je te l'ai filé la dernière fois. Quand on a fait les photos. C'est la première chose que j'ai fait d'ailleurs. J'en profite, là, tout le monde est prêt. C'est parti. Plus de désistement possible. Plage. Ah ben il est là-bas. Ah il est à côté. Ah t'as changé la tenue de ton chien. Ben oui, je me suis dit je vais lui mettre une armure un peu plus costaud. Et comme j'avais fermé un peu de malvenu. Oh, il y a les copains de Dalmarie qui sont là. Les saucissonnés. Voilà. Ils nous embêteront plus.
peu. Non, il aime bien ce papa. Ouais, il a spam souvent. Après, si t'es assez près de lui, elle est, je la trouve pas trop chiante. Je la trouve moins chiante que celle qui spammait en rang expert. Ah, mais le copain qui arrive. Ah, bah, il y a quelqu'un dessus. C'est pour ça qu'il arrive. Bon, là, je galère un peu à me décaler avec. De stamina. Ouais, ah, j'ai l'air malin, en plus il va de tous les côtés. Lui. Allez, je lance. Ouais, voilà, tout ça pour ça. J'ai absolument rien compris ce qui s'est passé. Bah, ça, c'était un peu le bord. Voilà, par contre. Il nous attaque. Lui. Ah, parce que si, il y a l'as qui était dessus, c'est pour ça qu'il... Eh, il y en a un mec qui 4 après. Ouais, c'est vrai. Mais il a été flashé. Non, il a été flashé, je pense. C'est... Ah, je viens de le... Ah, ok. Ah, il parle. Ah mince, il faut foutre la carte. Oh le salaud. Ah là le stun tombe bien. Ah, je monte dessus. Salut Cléo. Cléo est là. Et comme ça, il va se prendre des petits coquillages. Ça n'a pas l'air de bien marcher comme ça. Ah bah non, ils ont dû déjà être activés. C'est curieux. Alors qu'il y a dessus, non, c'est pas ça. Ah, normalement, si le monstre tombe dans la zone, tombe pas loin, c'est censé s'activer. Mais là, je pense qu'ils ont déjà été activés, je sais pas à quel moment. En plus, j'ai pris une arme poison sur ce monstre. C'est super efficace. Oh là là là. Ce soir j'ai dû réussir un combo rengainage sacré sur 3. Là c'est l'heure de la clash. Ah trop tard, il y a eu le temps de clasher ça. C'est chelou. Allez, on tient le bon coup là. Je vais encore cramer toute ma stam là, c'est bon.
Et il va relancer son... Ah non. Bon là je bourrine trop là. Ouais pas mais... C'est fatigué. Il m'enchaîne. Je pense qu'il devrait pas tarder à boiter. Allez, retournons les escaliers. Hop, c'est ça. Ah oui. Pas encore lui, c'est pas vrai. Ça fait bon, il est ici. Ah bah, il y a un autre copain qui arrive. Non. Non, là, capturons pas cette chose. Ça va pas marcher. Eh, bah tout le monde est là, c'est parti. Oh là 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 là, c'est pour... C'est un peu la fête. C'est le bordel. Ah, bah c'est moi qui ai récupéré. C'est pas de la vraie chasse, hein, ça, par contre. Ah bah là, là, c'est... c'est du story. Ah merde! Ouais, voilà, c'est fini. Ah bah, tout le monde est mort, c'est bon, tout le monde est parti. Ah, c'est pas mal! C'est une, beau, une belle photo finish. L'autre il convulse et puis. Puis l'autre il est crevé. Bien joué! Bah, on va dépecer ouais, quand même. Pas eu l'orbe. Ouais, t'auras pas eu ton orbe, Magnimum. Oh bah cool. Mais non, t'es pas un boulet, last test. Ah bah ben pourquoi tu dis ça? Je veux dire, pourquoi last test dit ça? Y'a pas de raison. Ouais, si tu veux, par cœur, demain on peut te farmer ton orbe. Ouais bah attends, je sais pas encore où j'en suis demain. Bon allez, je vais me mettre en position pour faire coucou à la caméra. Bah du coup on arrive à la fin du live, bah merci à tous d'être passés, que vous soyez venus chasser, discuter ou même juste regarder, hein. C'est cool d'être passé. Merci à Parker aussi d'être m'avoir accompagné. Ah j'attends Parker, il arrive. Il y a le vieux là. Pareil Coco, si vous voulez venir devant la caméra, n'hésitez pas, last test c'est pareil. Ouais bah merci d'être passé, puis Parker merci à toi de m'avoir accompagné, franchement c'était sympa. Ouais bah avec plaisir. Et du coup, bah prochain live ce sera vendredi 27, 21h pareil. Du coup je change un peu, je vais essayer vendredi, on verra si c'est mieux ou pas. Et sur ce, bah prenez soin de vous, et on vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter. Ciao.